Ou bien la dernière, là, tu vas dire. Ou dernière. Psaume 35, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs, dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qu'il dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent les dents contre moi. Seigneur, jusque à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix, ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays, ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah ah, nos yeux regardent !» Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas de mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions !» qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti !» Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix son serviteur !» Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonsoir encore tout le monde, dans le nom du sang versé de Jésus, c'est un privilège de pouvoir encore entrer chez vous avec l'émission L'Offrande du soir. Alléluia, c'est votre serviteur Alfred Joseph. Guerre à Merville, Chloé, Pierre-Louis, que Dieu vous bénisse, Chloé, c'est à Pierre-Louis, Madame Jean-Claude, Maggie Love, Marie-Camille, Edouard Rosin. Alléluia, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Tabi, ta chérie, where is Carlin? Amen, encore, forsake me, tout le monde abandonné. No Chelsea, no Tabi, no Carlin, no Esther. D'accord, everybody. Ok, that's all right. On salue Marvel Bruno, on salue Saint Ignace, on salue Shirley Juliette, Thérèse Laurédan, alléluia. Et Cathy Joachim en premier jeudi, hein? Que bon Dieu capable de bénir, alléluia. Voilà Dieu. You need to forsake me, baby. No? Yeah. You know all the girls, they go to Haiti.
Yeah. Non. We're starting tonight. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Moi, Jésus, je t'aime. Oh, ok. Happy birthday to him. Happy birthday to Junior. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Bisous. Moi, Jésus, je t'aime. Ok. Amen. Yes, we say happy birthday today.
Happy birthday to Junior. Hallelujah. I forget the whole name, so you know. I married him, but I forget the whole name. So happy birthday to Junior on this July, born in July like me. Yeah, the July people are the best people in the world. I'm sorry, I didn't say that, but yes, I said it. Colin, you didn't hear that. Yeah, so Hi Freddy, how you doing? Hallelujah. Colin Delano, happy birthday to Junior. TRC, happy birthday to Junior. Hallelujah. Daniel Single again. I know it's Daniel Single again. Hi, my Daniel. How you doing? Hallelujah. I know you are in Georgia. Hallelujah. Yes, how you doing, Daniel? And how is the others? Hallelujah. Yes. Nous saluons Monique Jean-Baptiste, Yolande Guerrier, c'est Thomas, ma voisine, Judith Henry, Pasteur Wisley, c'est là. Alléluia, Tabi, Sean, alléluia, Tabitha, Pascal, yes. Chloé Pierre-Louis. Sometimes you say Chloé Pierre-Louis, sometimes Chloé Pierre-Louis. What's going on, c'est Chloé, c'est Jean-Claude. Madame Agis, so, nous saluons dans le nom de Jésus. Gerda Merville. Bon, je dis à toi encore, l'âme saute l'église là, et puis, nous avons fait une mesure là, nous avons encore quelqu'un assez là pour nous. Il y a 10 mariages là samedi. Si vous avez un petit copain pour vous aider ma réception, dégagez. Il y a une réception samedi, une réception dimanche, vous faites là. Encore 10 mariages là, pour samedi, si vous voulez. So, ça va vous un petit copain réception pour moi là. Quel que soit sa lié, on a pris un livre, puis on a mis sous lui. Et il y a ça, il y a ce goût là. 10 mariages. Je m'en débrouille au cabaret, on dévie encore 400 plats. Pour dimanche, pour combien la vie, parce que c'est pas qu'on est capable de faire. Parce que encore, on a travaillé, attendez. Et encore, Chloé Pierre-Louis, Colus à Pierre-Louis. How many names? Gerd à Merville. Bon, les amis, mes téléphones ont sonné. Sorry, je me garde près de 4 minutes sur l'emergency. Je suis petit dehors. Bien chaud, on y a la live sur la fête. Yes. Nous vous saluons encore une fois de plus dans le nom de Jésus. Marie-Camel, Edouard-Ozin, Marvelous Boy, thank you. C'est Thérèse Loredan. Écoutez le petit film là, comment y'a? Papi mal. Yes, sir. Et nous saluons Cathy Jachot en premier jeudi, ah oui là, dans le nom de Jésus. Yolande Guerrier, Bethulie, Joseph et Bethude, yes. Daniel Saint-Golégen, tu vas dire ça, non? Yeah. Yes, nous saluons Yolande Guerrier. Good afternoon. How are you doing? Back there, we are blessed. We continue our 40 days revival. And then tonight is starting the last day of these 40 days. We're starting the cruising. Moi, je vais appeler là, mais croisade a commencé tout à l'heure à 6h30 exactement. À 6h30 après croisade là. Love Basil. Alléluia. Pasteur Wisley, est-ce que vous jouez avec mon fanfare pour moi? Parce que c'est moi qui fais hier. M'oublie dit ça d'avance parce que hier soir, je me battais en répétition fanfare. Alléluia, je me battais guitare en répétition fanfare. Alléluia, je me battais en répétition fanfare. So, c'est ça, fait ça. So, et non, ça salue encore. Et yes, sir, oh, ça c'est depuis le matin. Yes, sir. Mes amis, ben encore. Bon, ça me fait qu'on y a là. Khalid French, Love Basil, ça c'est Magda. Comment Dieu n'y est, combien encore? Et dernier petit là encore. Quand on est entré dans le combat, il y a toute qualité, non. Je n'ai changé aucun nom. Bon. Christy, ouais. Et là, on a essayé encore. Là, on a changé là, et puis c'est après lui. Christy. How is Christy? Nous saluons dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il a monté, par contre? Pourquoi vous voulez jouer? So, my Mac stop working, so je ne peux pas voir la musique qui est sous. Martine Jean, comment ça va, Martine Jean? Comment est Martine Joseph? Fabienne Mirazil, la Canadienne, il va là, non? PMLA, parce que c'est Maëlle Louis. Shelley Lewis, alléluia. Nous ne pouvons pas voir, non? C'est Benjamin, c'est Benjamin. Malou, l'offre de Malou.
Donc, c'est Benjamin. Il va voir là. Il va voir Deborah Barquetlin. Bah, il va voir. Alléluia. Côté Junior Guerrier, un salut dans le nom du Saint Verset de Jésus. C'est toujours encore, alléluia, un privilège pour nous capables de monter la caillou. Oui. D'abord, on tire la petite musique encore, et puis. Ok, garçon, non, pas un problème. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Petite musique, on va venir avec la peau. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ta parole. Et
Yes, yes. Alléluia. Alléluia. Wow. Quand il est léger d'assorti, mes musiques liées, oui. Marie Eline et Stéphanie. Je salue Joseph, Michel, Michel, Teramis. Je l'engage en bas au bord là, oui là. Je salue Majorie. Oh Israël. Tell me what more can I do? What more can I offer you? Wow, in English, you can't understand. Oh Israel, I really love you so. I really want to know. What more can I say to you? Eli, you laugh, me ba ou en anglais. Wow, en anglais. Save you from your enemy.
Miguelita, ma chérie, comment? Faut comme ha. How you doing? Alléluia. How you doing? How you doing? Comment allez-vous, ma chérie? Kéline Paul, bonsoir, bonsoir. Miguelita Lozeille. Alléluia. Rose d'Angeli, encore. Non. Ponta Cana. Moi, photo, oui. Enjoy you and your husband. And the baby's there too. You cannot leave the baby behind. I was. Yeah, we are probably 4 hours apart from Santo Domingo to Punta Cana, where you are, 4 hours. Sir. So, Elie Léger, Samuel Léger, Stéphanie Léger. Hallelujah. Nous saluons Noki, Noki. Where are you now? Where are you now? I said, when? The first day look like when? I don't know. In my country, the month of July, don't give rain. Oh yeah, dans la pluie, moi, pas en juillet, non? Pas en la pluie dans le mois de juillet. Mais ici, là, depuis 30 juin, la pluie a tombé pour juste jeudi 24 juillet. Pas, j'en passe un jour. Je ne sais pas si c'est son bénédiction, bien. Il ne prie pas bénédiction pour moi, non? Parce que. Quoi, ça de moyen. Khalil French, how you doing? Yes, nous saluons dans le nom de Jésus. Joseph Michel Teramis, et nous saluons tout le monde qui était bosch, qui bosch, nous te saluons déjà. Nous allons aller encore passer dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 maintenant. Nous allons arrêter dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 là. Nous allons parler de 1 Thessaloniciens chapitre 5 là. Nous allons parler de 1 Thessaloniciens chapitre 4 le matin. 1 Thessaloniciens chapitre 4, chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 là. Nous allons prendre Louis II.
Yes, on nous partit avec tu ça. Premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Nous vous saluons encore une fois de plus dans le nom du sang versé de Jésus. Nous sommes flattés de pouvoir vous retrouver cet après-midi, frère Ziguin, dans le nom du sang versé de Jésus. Nous avons médité ce matin sur 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le but principal de notre espérance, c'est l'enlèvement. C'est ce que nous attendons. La trompette qui va sonner pour que les morts en Christ, alléluia, soient ressuscités, que les vivants soient transformés. Que je sois mort ou que je sois vivant, ce que j'attends, mon espérance, c'est le retour de Jésus, c'est le son de la trompette. Donc nous saluons dans le nom du Saint verset de Jésus, après point 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6 à lire, nous te prenons encore tout verset qui est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Après point dans ce chapitre, il parlait de la responsabilité de l'Église. La responsabilité de l'Église de Thessalonique, c'est encore cette dernière partie dans l'être-là, qui comprenait de nombreuses exhortations pratiques. L'exhortation, ça y est, il parlait encore. Il parlait de l'exhortation à la vigilance. C'est en attendant le retour de Jésus, nous devons être vigilants. L'exhortation à la vigilance. Ne dormons pas donc comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alléluia. L'objet de notre vigilance, pourquoi? C'est le retour de Jésus-Christ qui est l'objet de notre vigilance. Et les raisons de notre vigilance, encore, c'est notre identité, premièrement. C'est notre identité. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour.
C'est là notre identité. Nous sommes des enfants de la lumière, des enfants du jour. C'est là notre identité. Donc c'est à cause de notre identité que nous devons, alléluia, avoir de la vigilance en attendant le retour de Jésus. Par opposition aux personnes décrites comme des enfants des ténèbres. Alléluia. Donc nous sommes des enfants de la lumière. Un jour, le soleil de justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes. Il est normal que les fils de la lumière attendent ce jour glorieux. Alléluia. Nous parlons encore du jugement auquel nous échappons, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais il s'agit de la colère extérieure. Alléluia. Encore, encore. C'est encore la colère de Dieu ici, c'est le jugement. Parce que bon Dieu parle nous pour jugement. Nous ne sommes pas destinés au jugement, nous ne sommes pas destinés à la colère. C'est pour cela que nous devons être vigilants. Être vigilant. Il s'agit, alléluia. Donc il faut être vigilant. Donc Paul commence et termine sa lettre par cette promesse. Premièrement, à 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9, là, notons la conclusion de Paul dans le verset 10. Encore, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons avec lui. Ce verset souligne le prix que Christ a payé pour nous délivrer de la colère à venir, du jugement de Dieu. Alléluia. Et nous donner un salut éternel. Il est mort pour que, encore, nous soyons, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. Il y aura deux catégories de croyants lors de sa venue. Ceux qui seront morts et ceux qui seront vivants. Les premiers sont décrits comme dormants. Ceux qui dorment. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Alléluia, ceux qui dorment. Alléluia. Les seconds, comme les veillants, ça veut dire les morts en Christ, sont ceux qui dorment. Et c'est les vivants en Christ, ces deux catégories. Les vivants en Christ, c'est encore les veillants, ça qui a veillé. Que nous soyons parmi les morts en Christ, parmi ceux qui dorment, ou encore parmi les vivants en Christ, ou encore, soit que nous soyons encore parmi les veillants. Etc. Alléluia. Les chrétiens qui meurent ne perdent rien. Moi qui mourir en Christ, je n'ai pas perdu rien pour ça. C'est ce que Jésus avait cherché à faire comprendre à Marthe. Moi, je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, et pas quand même l'a mouru, non. Quand ça veut dire même l'aile t'a mouru, l'a ressuscité. C'est ce que Jésus avait cherché à faire comprendre à Marthe. Alléluia. C'est ça, je dis encore. Alléluia. Et quiconque vive et croit dans moi-même. Alléluia. Pas jamais. Whosoever live and believe in me, yes, will never die. Ne mourra jamais. Alléluia. Donc, c'est encore le premier point. Dans l'exhortation, yo. Encore, non plus l'exhortation, première exhortation, l'exhortation à la vigilance. D'exemple, encore, exhortation que Paul portait, c'est encore, il faut que nous ayons de la considération. Avoir de la considération. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Considérez moi qui travaille. Ce n'est pas la pide de mon âme, la pide de toute journée, moi qui travaille avec nous. Oh, mes amis, si je travaille pour moi, je quitte ça longtemps. Je vais aller quitter encore, même vous, je vais quitter dans notre zone. Elle était Hawaï, elle est encore la différence. Je ne sais pas si j'ai entendu. Mais comme celui qui m'a transféré, il faut qu'on transfère de l'autre côté. Celui qui m'a transféré le 3 août 1985 m'a envoyé sans que je me dans l'église, mais d'abord aller. Je me transférer, mais puis encore les fêtes, moi, l'église pour me diriger. Et quand il y avait Chicago, il y a une petite église en République dominicaine. Parce que tu gardes ça, mon petit, mes amis, Jean, les hommes. Encore, ça est capable de la pire. J'ai été la pire de Jésus. Je dis en plus de bagaille de Jésus. Je dis Jésus à Marie, Magdala, t'es placé. Et on qui dit Jésus fait petite. Mes amis, ouais. Il fait petite à Marie de Magdala. Vous parlez de leur femme encore, oui. Parce que pour tes saints, papa, aux femmes. Et papa, aux femmes. Que aux jeunes, à aux femmes. Que aux vieux, aux moutons, comme moi, il y a aux femmes. Quel que soit genre, quel que soit l'âge. C'est ça que vous faites. C'est celle-là. Comme si. Yeah.
Donc c'est comme ça qu'il dit, il faut que nous ayons de la considération, alléluia, pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour et à cause de leur œuvre. Et pour eux, la plus haute estime, c'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui m'a demandé pour ma considération, c'est pas moi qui m'a demandé pour ma estime, encore pour mon qui travaille avec nous, tout le monde va travailler avec nous. Tout le monde va travailler avec nous. Alléluia. Tout le monde va travailler. Que quelqu'un dans l'autre l'église qui a béni, je sens que je travaille avec nous. Et ça, que encore la Bible m'a demandé pour faire, d'accord, pas moi, une sorte de considération. Bah, un serviteur qui travaille avec la servante là. Ballon sorte de considération. Encore suspendre, lapider, ballon chance. Ballon chance. Alléluia. Donc nous campons là pour après-midi. Hein? Nous allons jouer, pas oublier, la croisade va commencer à 6h30. Bon, hein, bon quartel là. Bon quartel et bien là. Ça va si bon. Bon prix 5 là, bien cafétéria, bien poste police là. Qui est à côté, de côte à côte avec lui. C'est là nous allons dans et bien là. Soit sorti Mendoza, on va descendre devant China, on descend tout droit. Pour arriver devant Quatella, à côté où je nous, malgré la pluie, mais on a pris là quand même, à la gloire de Dieu. Père Notre Saint, nous voulons te remercier d'être que encore Seigneur, tu as été avec nous. Merci pour Caline French, alléluia. Merci pour Coussé la cerise. Merci pour Janica Cerise. Merci pour les autres cerises. Alléluia. Encore agis, Seigneur Dieu, pour eux. Agis pour Emile Smith, Nadej, Chéri Julien. Agis pour Rose d'Angélie, Honoré, son mari. Et encore petit peu. Agis pour Gerline Paul, agis pour Mégilita avec deux garçons. Lio. Agis Seigneur Dieu pour Rose, agis pour Élie Léger, encore Samuel Léger, Stéphanie Léger, agis pour Enoch Petit Homme, agis Seigneur Dieu dans la compassion pour Joseph Michel Teramis, agis pour Yolande Guerrier, Junior Guerrier, toute famille guerrière, agis pour Majorie Saint-Tima, agis Seigneur Dieu pour Armand Dipson, agis pour Adeline Pierre, agis pour Solange Lucien, Pasteur Wesley, c'est là, agis pour Yolande Guerrier, Martine Jean, Martine Joseph, agis pour encore Magda Basile, pour Jenny, pour Christine, agis sur la compassion, pour alléluia, Daniel Singolenguin, agis Seigneur Dieu, pour Ronan Mossa, Caroline Delano, Freddy, Rena Petit Homme, alléluia, ma nièce Fredman. Agis, Seigneur Dieu, pour encore Monique Jean-Baptiste. Et agis sur Saint Thomas, Judith Henry. Agis, alléluia, pour Chloé, Pierre-Louis. Agis pour, alléluia, Gerda Merville. Fais grâce pour ce mari d'Orléans, avec petit pied. Fais grâce, alléluia, pour chaque monde, ma belle, oui, nous, c'est Ignace. Fais grâce, Seigneur Dieu. Pour Cathy Joachim, et va bénir dans le nom de Jésus, qui Dieu est le Seigneur, amen. Papa, c'est un privilège de te présenter une mission ça, pas oublier quoi ça capital.